tous, c'est Wedrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de CB Block. Ouais, salut! Comment tu vas, CB? Ah, ça va super, hein! Aujourd'hui, on se retrouve pour une visite de Movieland Roblox. Donc, c'est un parc fait par CB. Et je me suis pas spoilé, ah, oui, j'ai pas visité le parc. Et on va Jean voir. Ah, ouais, il y avait Jean Yop, salut! Improbable! Improbable. Et bah écoute, je te laisse me guider. Ici on a une entrée là au cube. Ok. On a un panneau beaucoup plus grand en français qu'en anglais. Welcome to Movieland. Bienvenue à Movieland, cet endroit peut te faire penser au chemin de traverse de Harry Potter. J'ai jamais vu Harry Potter donc ok. Billet, achetez billet. Non oui. Toi, tu veux... Et tu veux vraiment qu'on achète des billets toi. Normalement c'est tu achètes le billet et après tu donnes le billet. Ah, d'accord, ok, c'est un principe, c'est... les deux ils sont d'accord, non mais d'accord. Donc on est dans le seul land, mais ça va pas tarder, le land Harry Potter. Ouais. Tu vas être sûr parce que t'as jamais regardé. Ouais. Et on commence avec le Quidditch Shop, donc je te suis pour le Quidditch Shop. Allez, bah voilà, c'est fini, waouh. La bus de Wish. Attends, là on est d'accord, t'as juste pris deux primitifs et tu les as collés. Je crois que j'en ai plus trois. Bon, l'arbus de Wish, d'accord. T'as une sortie de secours qui n'est pas du tout de secours. Comment sort? Je peux pas sortir. Ah, ça commence bien. Ça commence bien la vidéo. Allez, bah, allez, vas-y. Oh purée. C'est ici, on a ça. Le Gringotts. Attends, je vais prendre une pizza. Allez. Gringotts. C'est vrai. Quoi? Attends, ça fait vraiment genre une semaine, on s'attend pour un cube en pizza. Ah, c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. En gros, le principe, c'est que plus t'as genre, je sais pas, 50 balles, t'as un fast-pass. Ouais. Ouais, bah normal. 150 balles, t'as l'accès au backstage, je sais pas. Somme d'argent que tu donnes est haute, plus t'as plus grande récompense. Ok, allez, on continue. Si t'as des ballons. Ouais. Et bon. Du coup, les amis, c'était la fin de cette vidéo. Non, on n'a pas fait ça là. On n'a pas fait Harry Potter and the Flying Car. En fait, c'est ça qu'on va ouvrir, qu'on va inaugurer ensemble. Et bah, allez, c'est parti. Inaugurons. Harry Potter and the Flying Car. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Harry Potter and the Flying Car. On est ready. On est seul. On est ready. C'est parti, c'est ouvert. Ouais. Ouais. Y'a pas de feu d'artifice? Harry Potter, non, j'ai pas eu le budget. Ah. Allez go. Ah non, mais j'ai bug de fou. Voix 4, voix je sais. Non, mais non. Je suis en PLS derrière mon écran. Voix je sais pas. Et notre voix de pas. Voix 2, voix murale. Non, voix 9, voix 0, voix 2, voix X, voix 10, voix 9. Attends, mais du coup là, attends, c'est la voix 9 demi, pas 9 3 quarts là. Mais CP. Ok, un éclair. Par rapport à la cicatrice de Harry Potter, ici t'as le premier rang. Ici. Ok, bah allez, un first throw. Ah merde, là... j'ai pas mis la sortie. J'ai cru avoir tout préparé, j'ai même pas mis la sortie. Le coup. Allez, go. Allez, go. Bon bah voilà. En gros le sol, où on rentre dans le sol en fait c'est pas vraiment ça, c'est une illusion. C'est une technologie hologramme.
Ah, lol. D'accord. C'est pas du tout parce que t'avais pas prévu qu'on rentre dans le sol. Ouais, c'est ça. Et là, on a aussi voilà, un meuble décoration bug. Non, c'est des casiers normalement. Ouais, bah, casier décoration bug. Là, t'as la sortie du coup. Ah, purée, on monte bien. On en monte des marches, hein, pour une sortie. On en redescend combien? 10 000. Goodbye. Ah, on arrive là, ok. Du coup, je t'ai pas encore présenté Gringotts, du coup, c'est pas fini. T'as le fast-pass et le PMR. Vas-y, ah. Ah, bah allez. Fast-pass. Ah ouais, tu... C'est direct. Là, t'as la sortie PMR. Ah ouais. Ah, nickel. Bon bah là du coup c'est fini vraiment. Bah franchement. Plus tard peut-être en live on construira la suite. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais tu vois, je vais donner mon avis personnel. Ouais. Je trouve. Non, je trouve que les bâtiments là, The Quidditch Shop et Gringotts, ça, oui, c'est pas ouf. Mais il y a de l'idée, ouais, pour Harry Potter. Ouais, and the flying car. Voilà. Et bah écoute, c'est sur ce qu'on va se laisser. On présentera peut-être la suite un jour. Un jour. Et ben franchement, hormis les bâtiments, ce parc était vraiment sympa. Et merci à toi d'avoir voulu présenter ce parc. Parce que ça fait aussi le deuxième épisode de la série où on visite les parcs des abonnés. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir visité ce parc. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.